La façon la plus efficace pour échanger les connaissances, c'est dans le contexte de l'action. Il faut mettre les gens dans le contexte effectif de l'action, aller visiter et discuter directement pendant qu'on est en train d'agir sur la situation et de l'échange de la connaissance. Et là, on apprend directement en contact avec la réalité. Autrement, c'est très théorique, c'est trop de gymnastique intellectuelle. Dans le contexte de l'action, les échanges sont plus fructueux. Nous en avons fait l'expérience plusieurs fois. Quand on amène des groupes de villageois vers d'autres et qui discutent directement sur comment et par quels moyens, quels résultats et que l'on peut constater sur les gens. Là, c'est la façon la plus efficace, effectivement, amener les gens à échanger du savoir et du savoir-faire.